Dans ce discussion aujourd'hui, on se trouve sur Don't Spill Your Coffee. C'est un homme qui doit se rendre à des réunions de travail hyper importantes et pour ça, il doit passer dans un système de sécurité très élaboré. Le tout avec des contrôles dégueulasses. C'est parti. Alors, effectivement. Wow, attends, je comprends un contrôle. Il faut vraiment que j'apprenne à. Putain, changement de caméra pour bien t'achever. C'est pas comme ça qu'on marche, putain. Ok, je contrôle l'eau de mon corps avec ça. Donc, je peux boire et. Putain, c'est une scène de l'exorciste, ça, mon gars. Aidez-moi, il me possède. Ah, je pourrais jamais doubler la fête d'horreur. Le truc, c'est que vous voyez, il y a le badge qui est sur notre cul et il faut le coller à cette porte. Putain, relève-toi, mais tu peux te relever. Il y a des mains, tu mets la paume par terre, tu peux te relever, je te jure. Padadam, padadam, padadam. Avec du skill, on peut se relever, c'est sûr. Alors, regarde, on va s'appuyer contre le mur. On va recommencer. Vas-y, passe, on va y arriver, c'est fantastique. Passe. Putain. Je vais te tuer, monsieur propre, là. Ok, speedrun. On n'a pas le temps. Le café, on le boit, on le met dans les yeux, on s'en bat les couilles. Oh oui. Ok, le match suivant, Shadowplay. Donc là, il faut passer le même porte. Ne m'abuse pas, mec. Ça, ça s'appelle un lendemain de soirée, ça. Ah, y'a pas de bip, là, donc on est bon, on peut direct passer. Non. Détecte le badge. Arrête de nettoyer le sol avec ton crâne, putain. Oh oui, j'ai collé mon bon gros fessier obèse. Ok, on peut continuer. Squat time. Qu'est-ce qu'il va falloir faire, mec? Move your butt. LT plus left stick. Non mais les gars, ah, faut se pencher le boîtier. Mais mec. Ouais, mais c'était prévu. Oh, c'est quoi cette pause? Mais qu'est-ce qu'il fait? Mais arrête. Allez, s'il te plaît, je fais une pause naturelle. Attends, petit entraînement fictif. Comment je fais pour remonter? Non mais arrête. Il y a forcément moyen de remonter, mec. Voyons, ça marche. Ça marche, on y va comme ça. On y va comme ça. On a jamais vu un humain marcher comme un crabe aussi précisément. Mais allez, mais non mais. Oh non, je suis deg. Tu peux le faire, monsieur propre. À la une. À la deux. À la trois. C'est quoi ce bordel? Allez, c'est passé. YOLO. C'est quoi cette pause, mec? On dirait qu'il fait l'amour à du café. Mais mec, ça, normalement, tu peux marcher. Je l'ai déjà fait quand j'étais jeune et con. C'était hier. Il fait des toupies sur un bras, il s'est pas passé un putain de portique. C'est pas possible. Je suis hyper con. En fait, c'est tout naze. Oui. Ok, c'est passé, mec. Vertically challenge. Ah, c'est quoi ce délire? Où est le bip? Même lui il est choqué. Ok, position bail dans le cul. Je faisais pareil pour valider ma carte de cantine au lycée. C'était pour ça que j'avais pas beaucoup d'amis. Level 5. Take a seat, va falloir s'asseoir, mec. Mais non. Mais non, mais mec, abuse pas. Jackie est l'employé qui se fait chier à faire ça pour me faire chier. C'est quand même super bizarre. Je pense que du coup, pour t'asseoir, tu te penches en avant. Et ensuite, tu t'assois comme ça. Level 6, ramp climber. Mais mec, il va falloir escalader quoi? Calmez-vous. Pas de putain de soucis. J'ai la technique, ne vous en faites pas. Ça, c'est comme quand tu déplaces les palettes à Intermarché. Ah, je fais mon stage de 3ème à Intermarché, je sais ce que c'est, hein. Voilà, bah c'était plus dur de déplacer les palettes à Intermarché. Level 7, faut faire du limbo. C'est parti, on tape tous dans la main. Limbo, 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 la nuit. Oh mon dieu. Oh la chute, elle était terrible. Je parle la chute, le truc surprenant qu'il y a à la fin, pas la chute. Ah ah ah, j'ai adoré ta blague, Squeezie. Merci, tu es gentil, toi. J'en viens à m'auto-soutenir avec le perso d'un jeu vidéo. Ah. Oh. Non! Je bouffe ma bite pour me consoler! Oh! Allez, je vous autorise à me passer le tété. Okay. Il y a des oiseaux dans ma chambre. Level 8, dangling. Qu'est-ce que c'est que ça? What? Oui, allô? Oui, vous pouvez ouvrir ce putain de portique? Allez, s'il te plaît! S'il te plaît! S'il te plaît, mon chou! J'arrive à la réunion, les amis, je suis un peu en retard! Ah! Level 9, take a step. Ah, oh, il va falloir passer une marche, c'est ça? Hop! Là, on se remet. Et voilà, incroyable, j'espère au moins que j'aurai le titre d'employé du mois, mon gars. Level 10, balance beam. Oh putain, ça part au cirque. Oh, 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 oh. Oh. Je peux sauter ou pas, vous pensez? Attends, ça la vraie question. Oui. Level 11, zigzag. Attends, on dirait carrément, tu sais, les parcours au concours d'animaux où Morissette fait sauter son caniche de 10 ans de 30 cm. Nous, on fait sauter monsieur propre, putain. Putain, c'est tellement beau ce qui se passe, c'est tellement beau ce qu'on vit tous ensemble. Avant dernier level, boxy. Je suis censé faire quoi là, mec? Ça marchera pas la fameuse technique de la femme? Mais comment on fait? Attends, il me pose une colle là. Putain, la dernière personne que j'avais entendu dire ça, c'était ma mère il y a 6 ans. Position fétale, putain, on est mauvais. Allez, 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 attends, si je penche d'un pied. Mais je peux pas faire mieux là. Mais regarde, mon cul est collé à cette plaque. Ah, regarde, j'escalade la plaque, qu'est-ce que tu vas faire? Valide. Valide. J'en ai marre. Mais je peux pas faire mieux là, putain, on a jamais vu quelqu'un être courbé comme ça. Valide mon gros boule de chauve. Valide mon boule de chauve, s'il te plaît. Oh oui, réunion me voici. Level 13, le test final. Ah, mais ça c'est tout ce qui est autour du cirque, on connaît bien nous. Voilà, on est passé. Bon, ok les gars, c'est très simple, j'ai la technique, hein. Super simple. Tu équilibres toujours ton corps. Tu commences à lever le pied droit, tu équilibres avec le buste, bien, c'est comme dans la vraie vie. Tu tournes sur toi-même, puis tu reposes. Attends, je me suis fait niquer là. Ok, là on est pas mal. Yeah. Employé du mois, mon gars. Mais là, si je suis pas employé du mois, c'est un de ces scandales. Je quitte cette boîte, je vais dans une autre boîte. Une autre boîte dans laquelle il y aura pas un mec qui se fait chier à me compliquer la vie tous les jours, putain.
Non! Attends, je fais carrément en équilibre. Ah non! Allez, je me tire. C'est parti pour la réu. Oui, voilà, j'en suis à la fin de cette vidéo sur Don't Spill Your Coffee. Ne faites pas tomber du café. Vous aviez tous deviné. N'hésitez pas à me dire si ça vous a plu. Putain, j'ai trop. Pardon, je trouve qu'il fait ce jeu, il est super marrant. Cette image en témoigne. Je crois que parmi tous les jeux qui utilisent la technique des contrôles un peu chelous qui font faire des positions bizarres à ton perso pour te faire marrer, bah c'est le meilleur. Alors, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Portez-vous bien. Ciao tout le monde. Peace. Oh. Oh non. Bah, c'était une imitation nulle.